Hello à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour reprendre une aventure. J'étais jeune. Ça va et toi? Oui, cette fois tu as deviné. On est parti, mesdames et messieurs, pour reprendre notre aventure sur Beyond Two Souls avec notre cher ami Jody. Cher et tendre Jolie. Je vais pas me dire si le son est trop fort ou pas assez. On est parti pour continuer. J'ai fait une vérif, donc on est bon, il n'y a pas de problème avec le avec la save. Cole, allez-y, j'enregistre. Concentre-toi, Jody. Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. On me focus sur la boîte. Tu vois quelque chose, Aiden? Voilà, c'était super. Super joli. Ouvre-la. Jody, tout va bien? Oui, je vais bien. Tu as vu quelque chose? J'ai vu une petite fille. C'était sa boîte à musique. Nora. Oui. Nathan? D'accord, je lui dis. Nathan, un certain Ryan Clayton est là pour te parler. Il dit que t'es au courant. Oui. Normal. Parce que c'est le cas. Je viens dans un instant. Tu vas où? T'attends pas Nathan? T'as quelque chose à me dire, toi? Est-ce que tu connais le gars qui est venu voir Nathan? Pas du tout. Dis, tu trouves pas que Nathan... Je sais pas comment dire. Il se comporte bizarrement ces temps-ci. Il essaie de récolter des fonds pour le labo en ce moment. Peut-être que ça le tracasse, tu sais comment il est. J'espère qu'on va pas finir tard. J'ai des tonnes de devoirs à faire.
Tu sais, Nathan se plaint toujours quand j'ai des mauvaises notes, mais en même temps, il me demande de rester ici au lieu d'étudier. Ça, c'est un sujet que tu devrais voir avec lui, princesse. Il en a pour longtemps ? Du calme, princesse, il sera là dans une minute. Je commence à mourir de faim. Quand est-ce qu'on fait une pause ? Ouais, moi aussi, j'ai faim. Faudrait qu'on fasse sortir Nathan pour une fois. Un resto sympa. J'en ai ras-le-bol de la bouffe de la cafétéria. Écoutez, j'ai jamais trouvé le bon moment pour lui dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Non. Professeur Dawkins, je dois l'emmener aujourd'hui. J'ai des ordres. Mais enfin, ce n'est encore qu'une offre. Mon assistant et moi, on est la seule famille qu'elle ait. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Écoutez, Dawkins, je comprends ce que vous ressentez, sincèrement. Mais les ordres sont les ordres. Vous allez me l'amener ou je dois aller la chercher ? Judy, tu peux venir, s'il te plaît. L'autre, il me dit de venir, mais il ferme la porte direct derrière. Con ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Nathan ? Tout va bien ? Judy, voici Ryan Clayton de la CIA. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Camp Perry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu vas partir avec lui, Judy. Aujourd'hui. Tu plaisantes, là. Hors de question que j'y aille. Je suis plus une gamine. Je suis assez grande pour décider toute seule maintenant. Rien ne m'oblige à y aller. Je dis, écoute. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. Oh, c'est fort probable. Belle opportunité pour toi. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire de ma vie. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. T'es gueule, toi. Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Ça suffit, on y va. Viens ici. Oh. Non. Je te dis, arrête ça tout de suite. Je te dis. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Je vais chercher mes affaires. Prends juste l'essentiel. La gueule. On a tout ce qu'il faut à Camp Perry. Lui aussi, sa tête, elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à me rappeler qui c'est en fait. En train de me demander si c'est pas un mec qui incarne un keuf dans la série The Rookie. Celui qui est instructeur pour une bleue. Je
Et qu'une série qui s'appelle The Rookie, hein. C'est toujours les mêmes acteurs, hein, je crois, de toute façon. C'est sûr que c'est pas plutôt ce qu'on appelle une nouvelle saison. Olé, tataratatatatan. Bon, je supputerais qu'on ait fini. Ah non. Ah, attends, merde, putain, j'aurais pas dû le faire ça. À mon avis, je devais la déchirer la photo. Bon, tant pis, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas ses vrais parents et que le père l'a traité comme un monstre quand il s'est barré. T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Merde. Tu vas trop me manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu le sais, pas vrai? Je serai toujours là pour toi. Ouais, il a la tête du flic instructeur dans The Rookie. Je suis pas sûr que ce soit lui. Putain, puis surtout la CIA. Quand ils prennent quelqu'un, c'est pas pour rien. Quand c'est dans les jeux, je parle. Et merde, d'ailleurs, j'ai pas changé le titre. La catégorie, du coup. Alors. Pourcentage des joueurs ayant également suivi ces voix. Clayton et Dawkins espionnés. Ouais. 80% à raconter la vision à Dawkins. Et 83% à menacer Clayton. Oui, c'est normal. Le dîner. Après l'ambassade. Ah. Ah. Il va y avoir des rapports sexuels. Oh,
Jody ? Salut, c'est Ryan. Ryan ! Je me demandais si t'avais eu mon email. Quel email ? Celui que je t'ai envoyé il y a 3 jours. Tu sais, j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il disait quoi, cet email ? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De toute façon, c'est trop tard. Mais une autre fois ? Merde, je suis désolée, je... Mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas dîner ici ce soir ? Enfin, tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Ok, mais... On se dit vers 20h ? D'accord, j'apporte une super bouteille de vin. À tout à l'heure. Ça va faire des choses ! Ça va faire des choses! C'est pas très Charlie! Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je voie Ryan. Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux. Je suis prêt à changer, hein. Enfin, je suis prêt à me mettre sur... à changer la scène. Hein. Fais chier! J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Aiden. Je peux avoir une relation avec qui je veux, tu entends? C'est ma vie. Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça? Je fais ce que je veux de ma vie. Tu sais quoi? Moi, je trouve que Ryan est super. Hein? Il est charmant, il est intelligent, il est drôle. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Non. Ouais, je sais ce qui s'est passé au bar. Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Ryan n'est pas comme ça. Ok. Ok. Il est 19h. J'ai 1 heure. Pour faire le ménage. Dîner, tout ranger et me faire peur. Ok, les livres, dans les bibliothèques. Bibliothèque qui est là. Nickel. Ah oh bah oui. Rangement, sa race. La poubelle dans la cuisine. Je dois trouver une recette réalisable en 1 heure avec ce qu'il y a dans le frigo. Bœuf à l'asiatique, ça a l'air bon et c'est pas trop compliqué. Poulet au curry et légumes au four. Ça va prendre du temps avec le four, mais ça paraît faisable. Des pizzas toutes prêtes. Bon, c'est pas très raffiné, mais pas de préparation, pas de stress, ouais. C'est une bonne idée. Pizza. Bon, c'est la solution de facilité, mais je suis sûre qu'il s'en foutra. Allez, je les appelle.
Bon, il s'attend peut-être à un vrai dîner. Ah bon, poulet curry, sa mère. C'est un plat maison, ouais, il va adorer ça. Tant que je fous pas tout en l'air, après tout. Ah bon, poulet curry, là. Mmh. Oh putain, ça fait tant longtemps que j'en ai pas mangé, en plus. Et je suppose que ce qu'il y avait dans le frigo, ça sera en fonction de ce que j'ai choisi, quoi. Drôle, ça. Merci, Aiden. Alors, en général, c'est quand tu coupes les oignons que tu te mets à chialer. Pas quand tu enlèves la peau. Enfin, le... Enfin, peut-être que je me change. Ça se passe plutôt bien. Cette merde. T'as une boisson énergisante. Je vais même pas tenter le diable. Tu sais, tu perds ton temps, Aiden. Non, sérieux. Tu m'empêcheras pas de voir Ryan. Non, j'ai pas fini de cuisiner. Zut, je dois faire vite si on veut manger. Ah d'accord, faut que je fasse à bouffer. Oh merde. Merde, il est déjà là. Voilà, j'arrive. J'aurais dû me changer avant. Aiden. Mais non, mais... Des stress, Jody. Ok, calme-toi. Inutile de panique. Tout va bien se passer. Ok. Hein? D'accord. Putain, mais... Oh, les contrôles. Le linge sale dans le panier de la salle de bain. Ok, voilà.
Elle a vu. Oh, Storf. Oh. Good sell. On sait rien. Bon. C'est le moment d'enfourner. Putain, Aiden, arrête de faire des conneries! Ah, ok, l'armoire avec les fringues sont là. Oh merde. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche avant? Bon, qu'est-ce que je mets? Oh, salut Ryan. Oh, ça te plaît? Classique, élégante, mystérieuse. Très classe. C'est la nouvelle moi et ça prouve que je m'adapte à toutes les situations. Merci Aiden. Bon, Aiden, tu ferais mieux de laisser tomber. Ok? Ce rendez-vous aura lieu. Pigé? Elle a dit 20h, il est 20h passé. S'il me propose de regarder par les vitrages, c'est pas pour rien, j'ai l'impression.
il fallait que je sorte les couverts. Bizarre, elle a pile ce qu'il faut bizarrement. Ouais, c'est très drôle, Aiden. Waouh, c'est très romantique. Romantique, romantique, c'est vitus, hein. Ah bah voilà. Aiden, tiens-toi tranquille. C'est important pour moi et je compte sur toi. Hey. Château Margaux 2001. D'après le vendeur, c'est une... Ne me demandez pas, je connais pas le vin. Ça a l'air super, ouais. Ok. Ok. Ça, c'est de l'appart. Oh, assieds-toi. Je vais chercher le... Le truc pour ouvrir le vin. Appart. Hein? Ouais, merci. Aiden, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai eu peur là, je voyais pas de verre, je me suis dit, oh là, attends, elle a oublié un détail. Ouais, cherche pas. Tu veux que je l'ouvre? Non, non, c'est bon. Merci. À ton nouvel appart? À mon nouvel appart? Alors, t'as emménagé quand? Oh, il y a quelques semaines. Ouais, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi, meublé et tout ça, c'est cool. Et en fait, c'est le premier appartement que j'ai pour moi toute seule. C'est bizarre, je m'habitue, tu vois. Non, moi, je vais rien faire. Juste à la sortie de la ville. C'est petit, mais tu sais, il y a un jardin, c'est calme. Et tu as grandi ici ou... Non, non, je viens de l'Oregon. Mes parents et mon frère y vivent encore. Mais je suis parti quand j'avais 16 ans. 16 ans ? Oh. Tu t'es fait mettre à la porte ou quoi ? Ben, c'était un peu chaotique là-bas. Mon beau-père aimait me cogner dessus quand il avait bu, et j'ai décidé de partir avant que l'un de nous deux n'aille trop loin. Ouais. Comment t'as fini par intégrer la CIA ? J'ai intégré la fac sans savoir ce que je voulais faire. J'ai tenté l'armée. Tu sais, l'action, les voyages, l'aventure. Assez longtemps pour savoir que c'était pas pour moi. Et quand un recruteur de la CIA m'a contacté, j'ai dit oui. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner parce que... Faire la cuisine, c'est un tout nouveau monde pour moi. Tu veux de l'aide?
Non, mais va t'asseoir et tu peux nous resservir ton tiers. Ok. Alors, vu comment il tenait le verre, c'est improbable que ça tombe pas par terre. Oh, c'est du poulet au curry avec des petits légumes cuits au four. Enfin, c'est censé être ça, mais... Ça a l'air super, je savais pas que tu cuisinais. Bah écoute, ça a pas l'air trop mal ce que j'ai fait apparemment. Peut-être un peu trop de curry. C'est bon. Ah. Bien, je suis contente que ça te plaise. Non. On se connaît depuis combien de temps maintenant, hein? 2 ans? Et je sais rien sur toi. Eh ben... Donc elle a dit... Elle doit avoir 19 ans, en gros. J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA et ensuite Nathan s'est occupé de moi. Et puis la suite, de toute façon, tu la connais. Et tes parents, est-ce que tu les vois? Non. Non, enfin je crois qu'ils... Je pense qu'elle est majeure. ...de voir que j'étais différente. Alors... Nathan et Cole, c'est eux qui m'ont élevé, en fait. Ils m'ont appris à supporter Aiden. Et puis à m'accepter telle que je suis. Ça n'a pas toujours été facile, mais... Enfin, je fais des progrès. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden? Non. Pas vraiment, non. Enfin, Eric Winters, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Mais... T'es sûr que c'est Eric Winter? Pas grand-chose sur Aiden. Enfin, je sais même pas si... Ouais, bah c'est aussi le flic dans The Rookie. Et... Il est là, en ce moment? Il nous écoute? Apparemment, il a aussi joué dans Mentalist. Oui. Aiden me quitte jamais. Il a pas joué dans Charmed, hein? Et toi, alors? Tu as de la famille, ici? Non. Non, mes parents vivent toujours dans l'Oregon. Je les vois le moins souvent possible. Ah oui, putain, c'était à ses débuts, je crois, quasiment. Enfin, peut-être pas à ses débuts, mais... Tu es marié, peut-être, ou... Non. Enfin... Si, enfin, je l'étais. Oui, mon ex-femme et moi, on est séparés depuis... 2 ans. Et... ça collait pas. Enfin, plus sur la fin. On a passé de bons moments, mais... Finalement, on a décidé de se séparer. Et toi? T'as quelqu'un en vue? Non. J'ai Aiden, donc. Je veux dire quelqu'un de notre monde. Tu sais, Aiden a, disons, toujours fait fuir les gens autour de moi. Tu feras changer de scène au cas où. Peut-être que je suis trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi. Tu es spécial, je dis. Aiden n'a rien à voir avec ça. Oh, il joue un des instructeurs. Olé! Je tente même pas le diable. On va faire le changer maintenant tant que je peux. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Ah, super. C'est pas ta faute. C'est juste... qu'il y a des choses que je peux pas oublier et... C'est rien. Désolé. Super. Ça va. Ouais, apparemment aussi, ouais.
Il y avait pas eu un remaster de ce jeu? Ah putain, est-ce que le fait que je l'ai envoyé chier, ça a pas changé le... Ça a pas fait ça? Ah là, n'a pas couché avec Ryan, donc il y a un truc que j'ai mal fait. Way off, au pire. C'est pas très grave. Nathan, je suis trop fatiguée, on peut s'en aller maintenant. Oh bon sang, il est déjà aussi tard que ça. Je suis désolé, j'étais complètement plongé dans mon travail. Je sais que tu as eu une longue journée. Dis. Les événements peuvent se suivre. Est-ce que ça te ferait plaisir? Mais j'ai choisi la phase de base. Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce. Pourquoi tu n'irais pas le récupérer? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va. D'accord? D'accord, je vais le chercher. T'as deux phases. T'as la phase où tu choisis l'ordre chronologique basique. Et du coup, la phase que je suis en train de faire. Où est-ce qu'il est, ce livre? Arrête, Aiden. C'est pas marrant. C'est toi qui fais ça, Aiden? Bon, là, pour moi, c'est pas Aiden, justement. C'est pas Aiden. What the fuck? Tu l'as trouvé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et lire une histoire avant d'aller dormir. Jeudi, tout va bien? Tu es toute pâle. Elle est tout simplement fatiguée, la pauvre petite. Peut-être qu'il serait temps de la mettre au lit. Oui? Oui, un instant. Nathan, c'est pour toi. Bien sûr. Nathan Dawkins. Oh putain, je viens de comprendre qui c'est. Je viens de comprendre qui c'est, les deux nanas. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Un camion. Le chauffeur était ivre.
et du mauvais côté de la route. Elles sont mortes. Jody, c'est l'heure d'aller dormir. Reste ici, Nathan. Je reviens tout de suite. On y va, Jodie ?